Yo les rageux, c'est Skippycraft, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Écarlate pour l'épisode 4. Alors, aujourd'hui, ça va être une vidéo très spéciale et différente que d'habitude. Donc, tout simplement parce que, alors, à la base, j'avais tourné une première vidéo pour vous montrer le avant-après. Et en fait, je me suis rendu compte que, vous allez rire, j'ai oublié de sélectionner le bon micro. Donc, je me suis trompé de micro dans Fraps, ce qui fait que ça a enregistré le micro Windows. Ce qui fait que j'ai rien pu avoir, en gros. Enfin, on voit la vidéo, mais on n'entend pas l'audio. Donc, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que j'ai fait, enfin, j'ai fini mon chant ici. Pourquoi ça ne génère pas là au fond? C'est pas grave. Donc, j'ai fini le chant. Et j'ai décidé de faire un time-lapse. Donc, dans quelques secondes, je vais vous montrer un time-lapse. J'espère qu'il vous plaira. Parce que ça m'a pris énormément de temps de le faire. Ça m'a pris environ 2 bonnes journées. Parce que c'est la première fois que je découvre le replay mode. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je vous demande d'être indulgent. C'est le premier. Je m'améliorerai. Voilà. Ah bon, voilà. Maintenant, je vais vous montrer le time-lapse. Après, on se retrouve pour un peu le briefing de mes objectifs, un peu de mes projets sur cette map. Et éventuellement, vous parler d'un petit truc aussi juste après. Donc, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite, les amis. Bon visionnage! Voilà les amis, j'espère que ce timelapse vous aura plu. Moi, perso, j'ai passé quand même beaucoup de plaisir à le tourner et à le monter aussi. Voilà.
Le principal, c'est que je me sois bien amusée aussi et que j'ai pris du plaisir. Donc, tout en vous montrant un peu les projets que je vais faire ici, je vais vous parler de quelque chose et je vais vous prévenir que à partir, bah, celle-ci, en fait, ça va être la dernière vidéo. Bon, après, il y aura les vidéos Snapshot aussi, jusqu'à la mise à jour officielle de l'Aquatic Update. Mais c'est parce qu'en fait, je vais entrer en période d'examen d'infographie à l'école. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo Snapshot, mais c'est au cas où vous ne l'avez pas vu. Voilà, je préfère le redire. Donc, je ne serai pas là, parce que je devrais travailler à la maison et tout ça. Et je préfère m'appliquer correctement pour l'école et déconnecter un peu de YouTube, prendre du recul. Ça me permettra aussi peut-être de me rendre compte de certaines choses. Voilà, le soir, je regarde un peu ma chaîne, ce que je peux changer, mes vidéos et tout ça. Donc, peut-être qu'au final, ce petit recul me fera du bien. Et on se retrouvera début juin, mi-juin, à la fin de. Parce qu'il y aura, juste en même temps, il y aura aussi mes examens de cours généraux. Donc. Souhaitez-moi bonne chance, mais vous inquiétez pas, je vais réussir, je vais tout faire pour. Voilà, c'était pour la première chose que je devais vous dire. Aussi, donc maintenant, concernant ce magnifique chant que je viens de vous. Wow, wow, je viens de m'étaler dans un bloc là. Concernant ce magnifique chant, qui est énorme, je vais m'occuper de le planter pendant des heures. What? Il y avait des carottes ici! J'avais un champ de carottes! Je l'avais pas vu ça. Qui m'a pris mes carottes? Non! Bah, je voulais vous dire que je vais devoir planter tout ça et tout ça. Alors, toutes ces carottes-là. Ah, bah oui, en fait, que je suis bête. C'est moi qui ai pris les carottes, en fait. Ah, ouais, quel idiot. Je pensais. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc, je vais planter tout ça hors caméra d'ici la prochaine vidéo ou alors un jour quand je m'ennuie. Ça va être très très long. Voilà. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo, elle a été très très courte, mais bon, voilà. Ah non, j'ai oublié de vous parler de mes projets. Mais Skippy Alzheimer, là, il sait plus ce qu'il dit. Donc, qu'est-ce que je vais faire sur ce grand territoire? Donc, ici, il y a un grand champ. Évoquez-moi où juge tes constructions. Ah! Vas-y, dis! Voilà. on va voir ce qu'ils en pensent de mes constructions en attendant. Donc ici, c'est ma maison provisoire, je tiens à le préciser. Parce que je voulais absolument un endroit pour stocker mes coffres. Salut! Dites salut à Léo dans les commentaires. Dites salut à Leonard. Dites salut Léo en commentaire. Ça lui fera plaisir. Donc, c'était pour stocker à la base mes coffres et mettre un lit voilà, avant de me lancer dans une belle petite maison moderne. Alors, Black Slider m'a plagié, il est juste à côté de chez moi, bordel. Voilà, mais c'est pas grave, je ne lui en veux pas. Donc, son mini champ de patates. Aussi, moi là-bas, j'avais fait un champ de canne à sucre qui s'étendait jusqu'ici. Et Black Slider a été l'étendre jusque-là au fond. Parfait en soi. Ici, nous avons un petit lac. Alors, je ne sais pas encore si je vais le boucher pour mettre quelque chose. Salut. Salut, Zenka. Voilà, tu apparaîtras sur YouTube. J'espère que tu regarderas la vidéo. Là, ici, bon, il y aura aussi des petites ruelles. Il y aura plein de petites maisons qui auront chacun une petite utilité, genre le bâtiment de stockage de viande, de stockage de blé. Non, ça, ce sera là, le stockage de nourriture. Enfin, je verrai encore. Il y aura une étape pour ranger tous mes beaux chevaux. Donc, ici, c'est mon cheval. Je l'ai appelé Artax, comme dans l'Histoire sans fin. Ici, là-bas, il y a le cheval avec l'armure grise. Enfin, l'armure en fer, c'est le cheval de Black Slider. Et le cheval squelette ici. Qui simplement je ne savais pas que je pouvais en avoir en survie, j'ai eu énormément de chance. Donc voilà, why not, je suis content. Ok, j'arrive. Voilà, donc on va aller dormir. C'est Skippy qui doit dormir. Ouais. Ouais, je sais, Léo, je sais. Oh! Oh, le cheater! Oh! Il a mis slash time 7 day. Ah, il a mis slash time day. Non! Pas grave. Il est modérateur, il peut se permettre. Enfin, il est admin, il peut se permettre tout ce qu'il veut. Cheater. Bah, t'as fait le time set, non? Aussi, autour de tous ces bâtiments, autour de même autour de cette muraille, je vais rajouter une énorme muraille en pierre. Mon gars, oui, je te jure, là, je vais faire la plus grosse ville de la map. Ah! Ok. Ça va vraiment être une grosse muraille impénétrable et j'essaierai de mettre des canons à TNT, à slime comme ma toute première vidéo qui est aussi le tout premier tuto Redstonia, ma toute première vidéo, voilà. Allez la voir si vous n'avez pas vu, je fais un magnifique canon à TNT à slime, mais la portée c'est quand même
plutôt très très loin en fait. C'est juste que dans la petite zone, vous verrez si vous regardez la vidéo, j'ai mis une petite zone compacte, mais bon, ça s'étend très trop loin. Faites-moi confiance, vous pouvez aller le tester. Hein. Mais non, mais en fait, vous avez, j'étais en train d'aller dormir et j'étais pas couché, que c'était déjà le jour. Vous voyez? Voilà, et éventuellement dans un prochain épisode, peut-être, j'espère être accompagné de plusieurs personnes. Je pense notamment à Black Slider, à Léo et à pourquoi pas Voki. Et enfin, ensemble, nous quatre, j'aimerais bien que nous fassions un World Tour et que nous allions montrer les constructions un peu du serveur. Ce sera une petite vidéo de 20-25 minutes. Donc là-bas, c'est chez Léo, là, il y a plus loin chez Fred, là, ici, c'est chez moi. Black Slider, je sais pas encore si je vais le faire dégager. Oui, j'ai cliqué, oui. Voilà, maintenant, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. À t'abonner à la chaîne. Et à me dire ton avis en commentaire sur ce que tu penses du timelapse. Parce que j'en referai des autres. Pour les autres, la grosse muraille. Et peut-être même des petites maisons totalement inutiles. Je n'en sais rien du tout. Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce premier timelapse. Je serais curieux de savoir. Ce que vous pensez de mes projets. Ce que vous pensez d'écarlate, des coupings et tout ça. Et on se retrouve... pas très bientôt, non, mais enfin pour les snapshots, oui, très bientôt, mais on se retrouvera dans quand même quelques mois, peut-être même quelques semaines, je n'en sais strictement rien, pour le prochain épisode d'Écarlate. Maintenant, je vous laisse, bye tout le monde, c'était Skippycraft et portez-vous bien!